chez les professionnels comme Arsène Goulamiri. Avec cette équation à résoudre dans les premiers instants, seulement son troisième gaucher. Oui. Il est quand je vite pas. Toujours prudent hein, dans ses entames de coups. Allez, relever d'autres défis, mais pour l'instant, il est concentré. Combat. L'œil gauche. Si vous voulez, Mérian qui essaye de cadrer, mais. Oh, la droite! La celle-là, Myriam. Oh, c'est parti vite, c'est parti fort ce championnat du monde. Les trois des deux hommes. Ouh, le crochet du gauche. Allez. Oh, il se découle là, Bégé Narou. Et Arsène Goulamirian qui démarre son pressing. Il a pris son temps, il a été ouvert, on n'a pas vu. Il donne vraiment tout. Encore la droite. Parer les attaques, il avait trébuché. Attention. Oui. Oh. Faut faire attention que. Quatre semaines. Ouais, il se fait toucher. Il a l'air un peu lourd. La solution face au gaucher. Merde, ça va un peu trop vite. Rouge. Poisonné. Il va affronter. Chance mondiale. En moins de 91 kilos. Bégé Narou s'était imposé en moins de 80. Plus rapide, Village de Rouge. Trouver la solution. C'est une première partie de combat compliquée pour Arsène Goulamirian qui avait su faire la différence. De Bégé Narou. Ouais, celle-là, elle est belle, cette droite. Piqué. Elle avait bien réussi à cadrer. Je sais qu'il ne peut pas atteindre le corps pour l'instant. Arsène Goulamirian. Travail au corps. Bégé Narou. Allez, la droite. Oh, elle a fait mal celle-là. Elle a été précise. Il travaille toujours de la même façon. Ouais, là. Ouais, c'était mal donné. Ça a été donné dans le même temps que le coup de Généraux. C'est incroyable. Il encaisse les coups. Est-ce qu'il est capable de les encaisser pendant 12 rounds? Ouais, ça c'est bien. Voilà le point délivré par Arsène Goulamirian. Première accélération aussi de 3 coups. Ah, il va rester dangereux. Oh ah, il a encore pris le crochet du droit. Là, Bégé Narou. Son œil gauche. C'est dans ce round-là hein, qu'il avait accentué sa pression. Ah, il s'est assis dans les cordes. Bégé Narou. Sixième reprise. Beaucoup plus varié. De Bégé Narou. Ah, il commence à mieux travailler. Et là, il est en train de travailler comme il l'avait fait dans les premières reprises. Voilà, ça c'est mieux. Ouais. Celui-là aussi. Et il enchaîne Arsène Goulamirian. L'accélération. Ouais, mais cette fois, il est en difficulté. Son jambe, ouais. Et puis il s'était appuyé. Arsène Goulamirian. Oh là, au menton, il a vacillé. Sur les talons, oui. Où les appuis se sont dérobés là. Suspens sur cette droite de Goulamirian.
Et Génarou et trouver la solution au corps face à Flint. Du gauche. Toujours lui qui touche le premier. Ouais, un contre explosif hein, dans ses enchaînements. C'est ce qu'il essaye de faire, le Français. Oui, oui. Il a vraiment été en difficulté sur des séries. Ah, le crochet du gauche pour le mini-voyage en tapis de Bégénarou. Ne pas le laisser respirer, ne pas le laisser récupérer. Il va quand même avec ses coups. Le challenger. Il reste une minute. Allez, ajuste, ajuste. Encore des supercutes. Les droites. Oh, il est dur au mal. L'arbitre va arrêter. Il a plus envie. Il a plus envie. Il a mal. Hein. Il a mal. On sent aussi hein, au niveau des appuis, même s'il y a encore des. C'est un peu un instinct de survie avec ses coups de la part. Encore. Sage décision du coin du challenger qui semblait effectivement épuisé physiquement, notamment après ce voyage au tapis. Victoire avant la limite d'Arsène Goulamirian. Il a souffert tout de même. Oui. Une défense très difficile.